C'est galère à apprendre le turc. Franchement, Laura, pas du tout, hein. La langue la plus compliquée en vrai, c'est le français. Mais le turc, c'est trop simple à apprendre. Genre, c'est comme l'arabe, il y a quelques mots et voilà. Ah bon, je sais pas, il m'a l'air glauque. Non, mais Uzer, t'es qui? J'ai pas compris. Bilingual. Le français, c'est trop simple. Le français, c'est très très compliqué à apprendre, les amis, hein. Le français, c'est très très compliqué à apprendre, les amis, hein. Après, vous, vous dites que c'est simple parce que vous connaissez de natives, mais... C'est très très compliqué. Hayırlı akşamlar. Merhaba. Sabah oldu. Sabahladık hep beraber. 2 dakikalığına girdiğimiz live saat 4 oldu. 5 oldu resmen. C'est l'une des langues les plus compliquées au monde, le français. Oui, exactement. Regarde ça, les scènes, il est trop bien. Oh my god, vous m'avez fait penser au film. Vous m'avez fait penser au film. Injirecele. Allez. Laura note. Laura note ce film. Tu vas kiffer. En fait, c'est vrai, il y a vraiment beaucoup de films qui font pleurer en turc. Hein. C'est vrai, on est vraiment des drama queens. Regarde où tu es. Tu habites où? Je suis de Nancy, les amis. Yaprak dökümü. Oh my god, yaprak dökümü. Vous savez pas comment j'ai kiffé. Et le halil. Le. Ağzınızın tadı bozulmasın. Aman Ali Rıza Bey. Oh, mais vraiment, Ali Rıza. Miskin. Ali Rıza, ce qui s'est passé. Et franchement, Ali Rıza. Une pensée pour lui, miskin, parce que voilà quoi. Il a bavé à l'Irza. Dis-le là, oh j'aimais. Eni Şaban, oh purée, à l'ancienne, je me posais devant la télé quand j'allais au bled. Je te mens pas, hein. Je regardais tous les films, mais vraiment tous les films qui passaient. En plus, c'était des vieilles chaînes et tout, et il y avait tous les films de Kemal Sunal qui passaient, c'était trop bien. Bref, franchement, Kemal Sunal, le Hababam Sınıfı et tout, est-ce que vous avez connu ça? C'était trop bien. On est d'accord ou pas? Dites-moi que vous avez quand même connu le Hababam Sınıfı, s'il vous plaît. Burak Gidiyor musun? J'ai connu. Oh là là, c'était tellement bien, le Hababam Sınıfı. Vous savez, le truc qui m'avait fait le plus rire, c'était le Hababam Sınıfı quand ils ont fait le cours de sport, là, avec le trampoline. Vous vous souvenez ou pas? Purée. Je suis pas une meuf du bled, les amis, mais tu ressembles à une meuf de la Roumanie. Ah, ok, vive la Roumanie, force à vous les Roumains, on est ensemble, du coup, vu qu'on dirait que je suis une Roumaine. Force à nous les Roumains. Tam sen at, çünkü ben seni bulmam lazım. Bir daha bulamam. Sen mesela bulurum. D'autres conseils de série turque. Ben en ce moment, je regardais Yalı Çapkını, j'ai arrêté. Après, il y avait quoi là? Il y avait une série avec la Özge. Comment elle s'appelle la série avec Yaman, Ateş et je sais plus comment elle s'appelle la fille, mais c'est Yaman et Ateş. Ça s'appelle comment la série là? Je suis sûre qu'il y en a qui regardent. Saphir, Saphir mid. Elle est bien la série là. Hein. Moi j'ai kiffé. Regardez ça aussi. Et c'était quoi la série avec. Qui était fait en Mardin là? Je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Avec Miran. Les Turcs dans mon live, dites-moi s'il vous plaît. Miran, il y avait une série qui avait un gars qui s'appelait Miran et sa meuf là. Putain, Laura, tu as kiffé cette série, mais il faut que je trouve le blaze. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est trop connu en plus. Il y a plein de saisons. Vraiment, tu as kiffé. Pour l'hiver, c'est tip top. Tu te cales ça. Parfait. Saphir, ça tourne chez moi, je crois. C'est l'eau! Döndün mü? Seni bekliyordum demin. Ama bref, bir şey söyleyeceğim. Bir tane dizi vardı. Adı neydi? Miran vardı. Ça s'appelle comment? Bedran, aide-moi là, vite. Faut que vous me trouviez le nom. Ah, je sais plus.
En plus, les génériques, ils sont trop bien. Je vous connais pas, mais attends, je vais regarder. Cello va regarder, s'il te plaît. Il y a... Le gars, il s'appelle Miran dans la série, ok? T'as vu, Laura, tous les efforts que je fais pour toi? T'es prête? Vas-y, dis-moi, c'était quoi? Ça arrive? Dis-moi. Hein? Mais allez, c'était quoi? Deux. Herjai, voilà, c'est ça, exactement. T'as noté ou pas, Laura? Herjai? Herjami, il a écrit. Herjai, c'est un trop bon Dizzy, il faut que tu regardes. C'est la folie. Vraiment, si tu kiffes les séries turques, tu vas kiffer. Salut Philippe de Toronto. Elle va que pleurer. Voilà, elle va que pleurer. Laura, prépare tes mouchoirs. Parce que c'est une série drame, drame, drame. T'as rien de vrai dans ta tête. Ah. Salut, ça va et toi? Mais là, vous savez, j'ai commencé quoi? Pax Massilia. On m'a dit de regarder ça sur Netflix. Apparemment, c'était trop bien. Et je regardais une série aussi. Le code du crime. Et c'est trop bien.